Iset. Dans ce poème Iset, qui d'astur et qui vint d'ailleurs en même temps, je pense tout fort, me remémore Iset, astur, dans cet espace Iset inofficiel qui est celui du poème, ce lieu privilégié, cette chambre commune, jusqu'on arrive d'ailleurs, jusqu'on cherche à se retrouver, se créer, jusqu'autrefois on cherchait à nous faire croire comme une vérité, que la femme ne t'a point personne. C'était ça l'histoire. Que point une histoire, c'était un moment dans le temps, une époque, un temps qu'a trouvé sa fin. Puis en parle à ma fille. Elle veut point l'entendre, c'est trop loin de son expérience, de son champ de vision. Impossible qu'elle sera point une personne égale et différente. Impossible qu'elle sera point une personne à part entière. Qu'elle sera qu'une affaire, un objet sur papier, un truc, un tour, pire encore, un objet à commenter qui grouillera point, qui restera fixe, l'objet d'une transaction, le papier de sa peau tanné par l'économie du temps, la tendance à une interligne. Impossible que la femme ne sera qu'un attachement. Impossible, étrange et curieux. Je ne la point le croire à cette histoire-là. Je ne le crois point encore. C'était une époque, un temps, qu'a trouvé sa fin, heureusement. C'était un oubli sûrement du monde mal pris à trop vouloir protéger les histoires. Le territoire, le nid. Ou rien qu'une autre curieuse tentative, un autre assaut à l'amour, au pouvoir, au plein potentiel humain, à la vie.